Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, que tout se passe bien? Donc, bonjour à tous. Ouais, donc je vois cagoule, donc a priori vous me voyez bien. Donc, puisque vous n'aimiez pas mon petit bonnet des ondes, puisque vous n'aimiez pas ma petite capuche, et ben aujourd'hui j'ai mis la cagoule de ninja. Donc voilà. Alors, donc j'avais dit qu'on commencerait fort, et donc là on a déjà 48 minutes de stack de la galaxie d'Andromède. Du coup. Ça fait une image, bah déjà voilà, d'entrée de jeu stackée, qui est pas trop mal. Donc si on regarde, le cœur n'est pratiquement pas saturé. Bon, il y a un peu de filet d'étoiles, mais c'est pas. Voilà, donc j'ai fait des pauses un peu plus longues et la mise en station, elle est beau. Mais voilà, quand on regarde l'image en entier, donc là évidemment on a du vignettage parce que le. Bah pour l'instant, je peux pas prendre en compte les images de calibration telles que les darks et les flats. Donc la présence des darks, enfin l'absence de darks est trahie par l'ombre glauque qu'on voit ici dans les coins. Mais là, d'entrée jeu, on a quand même une image assez sympa. On a une image relativement propre. Alors je vais l'enregistrer. Alors il a bugué à 48 images. Bon, tant pis, pas grave. Alors je vais faire une. Donc là, les images sont sauvegardées. Ouais, il y a eu un petit bug. C'est pas grave. Bon, on va rebooter la caméra. Pour ça, j'ai mon petit hub. Alors, faut pas que je me plante, la caméra elle est là. Pop-pop-pom. Donc, je vais relancer AsiCap, enfin SharpCap. Mais quoi qu'il en soit, donc en attendant, reframe. Donc voilà l'image qui a été stackée juste avant le live. Donc affichage. Donc voilà l'image qui a été obtenue avec 48 poses. Et juste avant, donc la photo de la vignette, elle a été faite. Bah, alors, donc là, c'est l'heure universelle. Donc du coup, avec le décalage horaire, elle a été plutôt faite aux alentours de 19h. Et donc sur la vignette.
On a cette photo-là, où Samyang 135 en H alpha, la Lune. Et on voit qu'on a quand même pas mal de beaux détails. Et donc ça a été fait avec cette vidéo-là. Donc là on voit le curseur défiler et on voit qu'elle bouge pratiquement pas. Donc autant dire qu'on avait un plutôt bon seeing. Parce que donc quand un seeing est pas bon, ça flotte dans tous les. Enfin ça bouge dans tous les sens. Et là on devine à peine qu'il y a un petit truc qui bouge au niveau des cratères. Donc pour une lune faite juste à 135 mm de focale, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même une lune qui est pas trop mal. Alors donc là, une caméra, qu'est-ce qui se passe? Faut que j'aille voir du côté de la caméra parce que je crois que je l'ai perdu. Aurait-elle eu froid? Si ça veut pas avec l'un, on va essayer un autre. Gain. Alors, c'est la première fois que je l'utilise. Alors dans 10 secondes, on aura la première image. Bon, donc on est parti de ce genre d'image-là pour arriver en 48 images à l'image que que je montre ici. Alors on va zoomer un petit peu. Voilà, là, ça remplit un peu mieux l'écran. Donc là, je n'ai pas tiré sur les niveaux, mais voilà, tout à l'heure dans l'autre logiciel, j'avais tiré beaucoup plus sur les niveaux et on avait beaucoup plus de détails. Mais ce qu'on voit, c'est que ici, l'image, elle est quand même relativement sans bruit. Alors que là, si on regarde de près, on voit que l'image elle est quand même assez bruitée.
Mais bon, donc la galaxie d'Andromède, on l'a vu d'entrée de jeu. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans le chat? Que ce qui est un peu dommage dans ce logiciel, c'est qu'on a très peu de paramètres avec lesquels on peut jouer. Donc le gain, c'est soit il est bas, soit il est haut, mais voilà, on peut pas choisir le gain qu'on veut. Bon, donc normalement il y a Nico qui va nous rejoindre tout à l'heure. Et donc là du coup il va dire que. Alors est-ce que. Ouais, voilà, donc je suis sur le stream. Ah. Voilà, là on voit ma bouille. Tout à l'heure on la voyait pas. Alors, je suis bien en suivi sidéral, ok, puisque tout à l'heure j'avais fait la lune, donc il aurait pu rester en suivi lunaire au lieu de sidéral. Bon, donc là on voit que l'image est très bruitée. On retrouve l'homme glow. On voit bien que voilà, ça stacke et ça devient de plus en plus net. Alors, tant qu'on a la lune qui est belle et qui brille de mille feux, je vais faire donc un petit saut sur la lune. Donc je déconnecte. Bon, donc au moins ça marche. Donc si ça marche, normalement SharpCap devrait marcher. Ah oui, bah voilà, 50 millisecondes, bah forcément, on voit rien. Allez, on va se mettre à 1 minute. Enfin, 1 seconde plutôt. Quatre secondes, ok. Qu'est-ce qui me fait? Pourquoi c'est tout noir comme ça? Bon, il y avait quand même quelque chose. Et j'aurais pu jouer sur l'histogramme pour pouvoir faire sortir la galaxie. Ouais, voilà pourquoi. Bon, donc là, on va pas recommencer le stacking. On va passer à la suite. De toute façon, au début du live, vous l'avez bien vu. Donc, cette fois-ci. Alors la Lune a changé de méridien, enfin de côté. Donc on va juste faire un petit coucou à la Lune, un petit coucou rapide, et après je passerai sur ici la nébuleuse de l'âme. Donc hier on a vu le début de la nébuleuse du cœur. Donc là, il est en train de faire son retournement de méridien.
Alors, je surveille juste que les câbles s'en mêlent pas. Là, vu comme ça crache, on doit être sur la Lune. Alors, là, du coup, il va falloir descendre au niveau des millisecondes. Hop. Je vais la centrer un poil. Donc je pense que pour imager la Lune dans les meilleures conditions, donc certains commandent des filtres verts, d'autres commandent des filtres rouges, d'autres commandent un filtre infrarouge. Et en fait, entre l'infrarouge et le rouge proche infrarouge, on a l'arrêt du H-alpha. Et je pense que pour imager la Lune dans d'excellentes conditions, donc là, elle commence à devenir. Ouais, bon, elle est quand même encore assez haute. Donc là, on voit la turbulence. Mais pour. Non, il va pas m'embêter avec ça. Voilà. Pour juste 135 mm de focale. Ben, je sais pas ce que vous en pensez. Mais on a quand même une lune qui est superbe. Alors là, elle est un peu cramée, je vais baisser un peu. Voilà. Là, je suis à 80% de l'histogramme. Allez, je vais pousser encore un tout petit peu pour exploiter toute la dynamique. Voilà. Quand on zoome dans cette zone-là, il faut que je réduise la taille de l'image, sinon, voilà. Sinon j'aurai des problèmes de débit. Et donc là, je vais juste vérifier que, ouais, donc pour l'instant c'est vert. Et donc vous êtes 44, très bien. Donc là, si on regarde, la Lune, elle est quand même super stable. Le filtre H-alpha, il fait bien son boulot. Et donc, malgré une focale ridicule, bah, on a quand même eu. Voilà, donc à l'échelle 1, la Lune ressemble à ça. Et quand on zoome de près, elle reste quand même jolie. Voilà, sur certains cratères, on voit même le Python. Il y en a un là, un là, un là. Et une fois qu'on stack ces images, eh bien, on obtient une image tout à fait regardable. Bon, donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, puisque donc j'avais dit qu'on verrait la Lune en HD. Donc en HD, c'est une fois qu'elle est empilée. Donc là, on a la Lune qui a été juste stackée dans DSS. Donc là, voilà, je zoome monstrueusement et donc on commence à voir la pixelisation. Mais sinon, voilà, à l'échelle 1, on a quand même une Lune qui est assez jolie. Et là, j'ai pas fait de drizzle. Donc je peux très bien utiliser le drizzle. Et récupérer une taille plus grande, donc une fois et demie ou trois fois la taille de l'image qu'on vient de voir. Et alors donc là c'est ce que AutoStacker propose en vue contrastée.
Ça, c'est le. Alors, la toute première vue. Voilà, celle-là. Ça, c'est la vue en sortie de d'Auto-Stackert. Donc, lui, il propose bah, soit ça, soit ça. Et quand on fait les choses dans Registax, bah, on arrive à trouver le bon compromis entre les deux. Et donc, on voit bien qu'on a pas mal de détails sans que ce soit trop violent. Et donc on a une lune qui est quand même assez jolie. Donc il y en a certains qui sortent ça avec une 80ED à 600 mm de focale. Là, voilà, c'est pas du tout la même focale, pas du tout la même résolution, et pourtant l'image se laisse regarder. Et on voit bien que voilà, d'entrée de jeu, on a quand même une image très propre. Allez, je vais juste faire une deuxième acquisition. Oups. Donc là, si format serre, donc 16 millisecondes maximum. Ouais, c'était bien parti. Quand ça, allez, hop. Donc là, il y en a pour quelques dizaines de secondes. Alors, qu'est-ce qui se dit? Ninja ce soir, bah oui. Donc là, il fait quand même pas spécialement chaud. Ah bah oui, il faut que je me jette des fleurs puisque voilà, quand je regarde les pouces bleus, voilà, vous êtes 50, il y en a 24. Allez, donc il a presque fini l'acquisition. Au passage, il y a tout plein d'épisodes qui expliquent bah, comment on passe de bah, voilà, d'une vidéo à une photo finie. Donc là, si on va sur la chaîne, dans les playlists, donc voilà. Donc dans la lune, voilà, il y a pour l'instant pas trop d'épisodes, mais si vous regardez dans la toute première playlist, généralité, où est-ce qu'elle se cache? Voilà, elle est là. C'est la playlist principale. Alors, afficher la playlist complète. Et donc quand on regarde au niveau des épisodes, alors oui, donc c'est trié du premier au dernier. Et donc là, on a cet épisode-là, traitement de photo lunaire avec Auto-Stackert et Registax. Et après, dans les autres lives, il y a eu d'autres. Je l'avais déjà fait du traitement en live. Donc si vous regardez dans la playlist live. Alors, voilà, donc elle est là, la playlist live. Afficher la playlist complète. Et donc dans ce live-là, ben, voilà, il y a eu le traitement de cette image-là en live. Donc ben, vous pouvez regarder ben, comment ça a été fait. Donc au passage, hein, il y a plus de 100 vidéos sur la chaîne et donc sur le donc là c'est le 15e live il me semble et donc il y en a 10 en ligne. Et les autres seront mis en ligne bah, un peu plus tard dans l'année. Et puis pour d'autres l'année prochaine. Donc au passage. Alors, est-ce qu'il a fini? Oui, il a fini. Bon, donc merci pour les pouces bleus pour ceux qui en ont mis. Et donc là, avant de. Donc on va refaire un retournement de méridien. Et cette fois-ci, on va aller pointer.
Voilà. La nébuleuse de l'âme. Alors, télescope. Go to. Donc, au lieu de pointer la nébuleuse, je vais pointer l'étoile qui est là. Comme ça permettra d'avoir le lama ouvert qui est là dans la foulée. Oups, on a perdu le télescope. Ouais, c'est avec les changements de retourne, enfin de méridien. Pop, 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 pop. Bon, ben voilà. Ça tire sur les câbles et du coup, ça pose des problèmes. Je suis reconnecté. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est rendu? Alors là, du coup, je vais pouvoir mettre la pleine image. Bon, donc là, comme il est un peu dans les choux, on va lui faire pointer quelque chose de brillant. Et... Bon, donc on va lui faire pointer cette étoile du Cassiopée. Parce que donc, ouais, j'aurais dû aller dans le cocher. Ouais, elle est levée, elle est bien visible. Ouais, bon donc là le Gotu il est complètement perdu. Donc on va aller chercher l'étoile du cocher. Capella. Ok, donc a priori ce serait cette étoile-là, parce qu'il n'y a pas d'étoile super brillante. Bon, donc ça c'est ce qui est cool avec une courte focale. C'est que du coup, c'est très tolérant aux petits aléas. Synchronisation. Tant qu'à faire, comme je suis sur une étoile très brillante, je vais profiter pour vérifier si la mise au point est toujours bonne. Voilà, donc là, si on regarde, l'espacement entre les différentes aigrettes est à peu près constant. Ouais, entre donc ces deux-là, il y a un petit chouïa, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas trop mal. Donc hop, hop. Allez, je vais garder un petit souvenir de la mise au point. Avant que je me fasse griller, je me remets en fit. Alors pourquoi utiliser des fits et pas des tifs? Parce que donc au niveau des fits, je suis sûr que bah voilà, donc là voilà, il m'a fait voilà, quand on met en tif, par défaut, il se met en 8 bits. Et en fit, je peux être en 16 bits. Et donc du coup, j'ai beaucoup plus de nuances de gris. Alors la caméra c'est une 14 bits, donc on n'utilise pas pleinement les 16 bits,
Mais c'est quand même dommage de shooter en 8 bits alors que la caméra délivre du 14 bits. Et donc plus on a plus le nombre de bits est élevé, plus on a de nuances de gris. Bon, donc j'ai enlevé le masque de Batinov. Donc là, si vous, je sais pas si vous voyez le motif. Donc habituellement, on a des traits qui partent en biais, puis des traits verticaux. Et là, en fait, on a des traits qui partent en biais, bah, en bas et en haut, mais avec un angle différent. Et c'est ça qui génère la quatrième aigrette supplémentaire. Et donc, un masque de Batinov à 4 aigrettes, bah, c'est beaucoup plus précis qu'un masque de Batinov à 3 aigrettes. Et donc juste pour m'assurer qu'on est bien sur l'étoile Capella, que le... Voilà, je vais lui faire pointer cette étoile-là. Alors déjà, donc là, il l'est. Donc je l'avais synchronisé, mais on va quand même resynchroniser. Donc c'est pour ça, voilà, avec les câbles, tout ça, il y a toujours des problèmes. Et c'est pour ça, en temps normal, je reste toujours du même côté du méridien. Et ben voilà. Donc j'ai une étoile brillante dans le champ. Donc a priori, voilà, je me suis pas planté d'étoile. Et si on regarde de près, donc on a voilà trois étoiles un peu moins brillantes. Donc ça doit être le. Ben voilà, les trois qui sont là. Bon, donc je vais pointer cette fois-ci comme prévu la nébuleuse de l'âme. On va attendre la première pause. Si la première pause se passe bien, bah, du coup je vais pouvoir lancer le stacking. Et puis après, bah, on pourra regarder bah, voilà, ce qu'il y a un petit peu du côté de la chaîne. Et puis, bah, si vous avez des questions, je pourrais répondre pendant que le stacking se fasse tranquillement. Donc là, déjà. Comme on a vu que le suivi était pas tip top, on va se mettre à 40 secondes. Avec un gain beaucoup plus raisonnable. Donc je suis bien en fit, 16. Roulement de tambour. Est-ce que avec juste 40 secondes, l'âme va apparaître ou pas? Ouais, ça va être compliqué. On va mettre une minute. Donc, tout à l'heure, j'ai lancé le stacking avec l'ASICAP. Et pas SharpCap, enfin plutôt avec l'Asi Live. Donc ce que je préfère dans SharpCap, c'est que au niveau du gain, je peux faire ce que je veux. Alors que quand on a vu tout à l'heure dans le logiciel, bah, soit c'est low, soit c'est high. Donc voilà, il choisit une valeur basse, une valeur haute, mais on sait même pas laquelle. Et on peut pas choisir la valeur comme on veut. Allez, encore 15 secondes. Donc là, en
plus, elle est relativement bien située dans le ciel par rapport à la Lune. Donc là, on a un peu plus de signal. Alors, il y a des petites choses là qui apparaissent, mais c'est timide, timide, timide. Donc, on va pousser un peu le gain. Et je pense que ça, avec le gain que j'ai mis, les valeurs que j'ai mis, ça devrait pas trop mal marcher. On a le fond de ciel qui. Donc voilà, si on regarde là toute cette bande de. Alors, hop. Donc là, si on regarde tout ça, donc grosso modo de là jusque là, c'est la pollution lumineuse. Et pourtant, on est quand même sur un filtre très sélectif qui laisse passer qu'une bande de 35 nanomètres. Alors, donc là, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose? Alors, il y a un petit truc là qui commence à se dessiner. C'est très bruité, donc on voit pas très bien. Mais je dirais qu'il y a quand même moyen de sortir quelque chose. Mais allez, on va encore pousser un peu le gain. On verra ce que ça donne. Ouais, donc le GoTo, c'est vraiment génial. Je prendrai jamais une monture sans GoTo. Alors, il y a les personnes inconditionnelles qui disent non, faut pas commencer par le GoTo, faut prendre un Dobson. Et c'est comme ça qu'on apprend l'astronomie. Et bah, voilà. Un débutant à qui on donne un Dobson de 300 mm. On lui dit de chercher n'importe quelle cible. Il va mettre 20 minutes pour trouver le moindre truc. Pour peu qu'il ait des oculaires avec un champ Rikiki de 45 ou de 50 degrés. Pour trouver les objets dans le ciel, il va galérer et il va se démotiver en moins de 2. Alors qu'avec le GoTo, une fois qu'on a compris comment on va faire une mise en station, une fois qu'on a compris comment étalonner le GoTo, bah après, voilà, c'est l'ICOS va chercher. Bon, donc là, bah voilà, donc là tout ça, c'est la pollution lumineuse. Et si on regarde un petit peu ici. Ah, c'est timide, 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 mais il y a un petit quelque chose quand même. Donc là, c'est au choix. En stackant, l'image va s'améliorer. Donc, je peux laisser sur ça. Donc là, hop. Voilà, il y a quand même moyen d'aller chercher quelque chose. Alors, au fur et à mesure des pauses, voilà, il y aura quelque chose qui va apparaître ici. Donc, soit on laisse la nébuleuse de l'âme, soit, si vous voulez, on peut faire une cible plus facile, qui est donc juste à côté. Ici, on a la nébuleuse California, Californie. Donc, elle est plus facile.
Donc là, on voit magnitude 5. Là, on est sur 6,5. Donc elle est quand même à peu près 3 fois moins lumineuse que celle-là. Donc, alors ce soir, ils annoncent des nuages par chez moi. Donc ils annonçaient de 16h à peu près à moitié couvert jusqu'à 22h et totalement couvert juste à partir de 22h. Là, le fait est que c'était quand même pas mal découvert. Enfin, je voyais pratiquement pas de nuages. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, voilà, de 20h à 21h30, bah, je vais faire mon petit live. Et comme ça, bah voilà, à chaque live, ça permet de montrer bah, une cible nouvelle ou prise différemment. Puisque donc en début de semaine, j'avais déjà fait enfin, la galaxie d'Andromède, mais c'était avec tout le spectre visible. Et donc là, tout à l'heure, on avait juste la galaxie d'Andromède, mais en H-alpha. Et donc en H-alpha, on voit pas tout à fait les mêmes choses que dans le spectre. Enfin, dans le reste du spectre. Et donc l'idée c'est bah, voilà, de cumuler et d'assembler bah, la pose H-alpha avec les autres poses pour avoir une image un peu plus sympa. Où les nébulosités d'hydrogène apparaissent un peu mieux. Bon, donc là il a commencé à empiler. On est sur trois poses. On voit que ça va être quand même pas sensationnel, mais en lui laissant le temps, elle finira par apparaître. Alors. Voilà, donc là on voit la nébulosité qui se dessine, qui apparaît. Donc soit on laisse cette image-là s'empiler jusqu'à la fin du live. Parce que demain je me lève à 6h, donc on va pas pouvoir faire le live jusqu'à des heures pas possibles. Donc à 21h30, dans 3 quarts d'heure, je pense que je vais m'arrêter. Donc soit on lui laisse 3 quarts d'heure, donc ça fera 45 pauses, plus les 5 qu'il y a, et donc ça fera 50 pauses. Et ça donnera une idée de bah voilà, qu'est-ce qu'on pourra avoir au final. Soit là tout de suite, je bascule sur une nébuleuse plus facile, la nébuleuse California. Et on reste jusqu'à la fin du live sur la California. C'est au choix, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Donc oui, je confirme que la mise au point est faite manuellement puisqu'il n'y a pas de motorisation ni de microfocuseur sur les Samyang 135. Et donc sur le support du Samyang qui permet de l'adapter sur une monture équatoriale via une queue d'arend Vixen, et bah, autour de la bague de mise au point, il y a un espèce de bah, un jeu de deux mâchoires avec deux vis. Et donc du coup, ça permet enfin, une espèce de microfocuseur manuel. Et donc en jouant sur les deux vis, ça permet de régler précisément la bague de mise au point. Et après, mais oui, c'est totalement manuel. Alors, un beau ciel nuageux chez moi, ouais. Alors, normalement, à présent,
En novembre, j'avais, enfin novembre, décembre, janvier, normalement c'est des mois où j'ai juste une nuit claire par mois. Et là, on est quand même à la quatrième nuit claire dans la même semaine. Voilà, c'est du jamais vu, c'est exceptionnel. Enfin, il n'y aura pas 365 lives sur la chaîne des gastronomies. Il y aura plein de tutos et ainsi de suite, plein d'autres épisodes pour garnir justement toutes les différentes playlists que j'ai initialisées. Voilà. Là, pour le coup, voilà, la monture était installée sur la terrasse, mise en station. Le ciel, il était pas mal. Donc, je me suis dit, bon, allez, hop, on fait un petit live. Alors, des lives avec le Stargate, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Ouais, autant que je vous prévienne tout de suite. Ou alors, quand j'en ferai, c'est. Enfin, on verra, mais. C'est pas. Voilà, donc c'est un instrument qui s'y prête très bien, puisqu'en fait, c'est un instrument qui est fait pour du visuel. Et donc, du coup, bah, ça marche très bien pour du visuel assisté. Mais bon, il fait quand même 80 kilos et pour le monter, il faut être motivé. C'est pas comme un Samyang sur une NEQ5. Là, surtout qu'on est en période très mauvaise. Enfin, voilà, il y a énormément d'humidité. Il peut se mettre à pleuvoir en plein milieu d'une nuit. Alors pour l'instant j'ai un seul message pour la Californie. Donc pour les autres qui sont dans le chat, allez, on va faire un vote. On reste sur la nébuleuse de l'âme qui commence tout doucement à se dessiner. Ou on zappe tout de suite sur la California. Alors Tesla, oui. Donc voilà, j'ai dit ton nom. Californie, Californie, et bah Californie a l'air de gagner. Bon, donc ok, on change. Allez hop. Donc je vais arrêter le stacking. Bon, donc tout le monde est d'accord pour la California. Donc ok. Je vais juste. Enregistrer ça. Et ben on arrête ça. Voilà. Et on passe sur California. Là, c'est juste l'histoire de le réinitialiser pour éviter de perdre une minute. Et on va directement aller ici. Donc là, on aura la première pause de la Californie. Et puis après, bah, les autres vont tranquillement se stacker. Allez, encore 10 secondes. Même pas.
Il l'a pas gardé, pourquoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Clear. Roulement de tambour. Est-ce qu'il va la garder ou est-ce qu'il va la jeter? Donc c'est ici dans Overview qu'on a frame stacked, donc pour l'instant 0, et frame ignored. Ok. Ouais. Donc le. Ok. Donc c'est beaucoup trop brillant, faut que je baisse le gain. Donc là comme ça c'est pas voilà. Voilà, donc ça sera, elle sera là. Donc à peu près de là jusque là. Donc là, il l'a jeté parce que j'ai baissé le gain et donc l'image correspond pas, ce qui est normal. Donc j'efface. On va y arriver. Et donc pour l'âme, je pouvais utiliser un gain beaucoup plus fort parce qu'on était beaucoup plus proche du zénith. Et donc le ciel était un peu meilleur. En fait, la Californie, ou Californie, elle est beaucoup plus basse à l'horizon. Et du coup, elle est dans la pollution lumineuse de la ville de Lyon. Alors au zénith, il y a bien sûr aussi de la pollution lumineuse. Mais ben voilà. Au-dessus de ma tête, il y en a un peu moins que plein est où j'ai le centre-ville de Lyon. Bon, donc là au moins, hormis une étoile, l'image n'est pas saturée. Donc c'est pas mal, on va pouvoir sortir quelque chose. Donc là, on voit un petit peu la nébuleuse. Puis on voit qu'il y a beaucoup de bruit. Et donc tranquillement, tout ça, ça va s'effacer, s'estomper. Et ce qui est bien, c'est que voilà, c'est une nébuleuse qui est énorme. Donc du coup c'est facile de avec des petites focales de remplir l'image. Voilà, là je suis juste sur deux images et on voit déjà, on commence déjà à voir les premiers détails qui apparaissent. Donc là je pense qu'on aura quelque chose d'assez joli. Comme ça, on profite. Voilà, je vois donc le nombre d'images empilées.
Et je vais pouvoir regarder ce qui se passe dans le chat. Bon, donc la Nébuleuse Californie a fait l'unanimité. Alors, est-ce que le Sharkia prend en charge un Canon 1100D? J'ai jamais utilisé Sharkia avec des APN. Mais je dirais que si jamais il y a les drivers qui vont bien, peut-être que voilà, ça se comporte comme une caméra astro. Et peut-être qu'il prendra en charge. Mais j'ai jamais fait l'essai, donc j'en sais rien. Il y a peut-être des gens qui dans le chat qui connaissent la réponse. Donc voilà, je suis entièrement d'accord avec Pierre-Yves ou avec Yves que SharpCap c'est avant tout pour les caméras. Après, en bidouillant un driver ou quelque chose, est-ce qu'il y a moyen de connecter un APN? Pour les APN, il y a d'autres solutions. Il y a Nina qui permet de gérer un APN. Il y a APT Tool. Et donc, lui, il prend en charge les appareils photo et pas que Canon. Après, il y a Canon ou EOS Utility qui gère les prises de vue des appareils photo Canon. Il doit y avoir sûrement quelque chose pour gérer les Sony. Mais pour ce qui est des logiciels d'acquisition d'images tels que SharpCap, Fire Capture ou d'autres, de base, je dirais qu'ils sont quand même très orientés caméra. Ah, on a Nico. Ah bah Nico, normalement, le Discord, il est ouvert. Donc n'hésite pas à venir. Alors est-ce qu'il est réellement ouvert? Ben non, il n'est pas ouvert. Voilà. Donc le sous SharpCap, il faut avoir, pour pouvoir appliquer les darks et les flats, il faut avoir la version payante. Et pour l'instant, j'ai juste la version gratuite. Donc je prendrai la version payante, mais plus au printemps que maintenant en hiver. Enfin là, on est à la fin de l'automne. Voilà, l'automne, l'hiver, c'est pas une période propice au live. Donc ça sert à rien de prendre une licence maintenant pour l'utiliser une ou deux fois dans le mois. Donc là, par exemple, si je fais auto stretch, bah voilà, on a un joli message qui dit, bah voilà, faut acheter la licence. Et c'est pareil pour donc dans les voilà, ici dans capture, capture dark, capture flat. Donc on peut faire la capture, mais on ne peut pas les utiliser si on n'a pas le. Donc voilà, on aura du vrai live stacking avec Dark Flat l'année prochaine. Et donc là, j'aurais pu utiliser l'ASICAP. Donc là, si on regarde. Voilà, donc dans l'Asi Studio, on a le live stacking, c'est ce qu'utilise Nico. Et donc là, ça prend en charge les dark et flat sans avoir besoin de payer, puisqu'on a déjà payé le prix fort les caméras Asi. Donc voilà. Mais pour l'instant, je préfère utiliser SharpCap. Parce que là au moins, je peux gérer le gain comme je veux.
ce qui n'est pas le cas d'Asie Live. Asie Live, c'est voilà, le gain, il est bah, soit il est bas, soit il est haut, mais on ne sait pas combien il est et on ne peut pas le mettre à la valeur qu'on veut. Alors que là, dans Sharkcap, au moins, voilà, c'est moi qui décide à quelle valeur je mets le gain. Et donc là, je suis à peu près voilà, donc, au milieu. Donc pour de la vraie imagerie du ciel profond, il faudrait mettre un gain plus bas et faire des pauses plus longues. Mais voilà, si on a une pause qui arrive toutes les 5 minutes, voilà, il faudrait attendre 1 ou 2 heures avant d'avoir une image correcte. Alors que là, on aura une image un peu potable un peu plus rapidement, enfin beaucoup plus rapidement. Là, on a juste 8 pauses. Et là, on voit déjà que cette partie-là commence déjà à être bien définie. Et si on regarde d'un peu plus près, donc ok, l'image est encore très bruitée. Mais voilà, il y a des structures qui commencent tout doucement à apparaître. Donc il y en a une là. Voilà, là on voit quand même qu'il y a un peu de relief. Et on n'est que sur 10 minutes de pause. Oui, donc on est bien d'accord que la licence de ChapCap, elle est pas chère. Ouais, bon, je vais pas regarder maintenant, mais c'est. Je sais pas si c'est 12 ou 24 euros. Donc on est bien d'accord que c'est pas cher. C'est une licence à l'année, il faut la payer tous les ans et pour l'instant je ne vais pas l'utiliser plus que ça. Donc ça me sert à rien. Je ne vais pas payer un truc qui me sert à pas alors que voilà. J'ai pas un budget illimité. Ouais, non, mais que c'est une version, enfin, voilà, que la version pro elle est top, je suis convaincu, hein, c'est prévu que je prenne la licence, il n'y a pas de souci. J'en suis largement convaincu, mais voilà, c'est pas tout vient à point qui sait attendre. Donc, effectivement, il y a tout plein de possibilités. Voilà, et on peut lui faire exécuter des scripts. On peut l'utiliser pour faire l'animal polaire. Il y a un assistant de focus, de focalisation. Avec tout plein d'algos différents. Donc, il y en a au masque de Batinov. Enfin, celui qu'on utilise le plus couramment, c'est le FWHM. Enfin, voilà, il y a. Les possibilités de SharpCap sont vraiment énormes. Il y a un petit souci. Ah, donc il en a déjà jeté deux, pourquoi?
Non, c'est bon, donc il en a empilé 11 et il y en aurait 2. Donc là, ok. Ah bah voilà. Bon, donc là, ça devrait empiler un peu mieux. Je me disais bien, c'est bizarre, l'image, elle change pas. Roulement de tambour, donc là ça devrait passer sans problème. Voilà, 12, ok, on empile. Donc au fur et à mesure que ça empile, je pourrais tirer un peu plus sur les niveaux et donc faire apparaître plus ou moins de détails. Mais là on voit qu'il y a quand même voilà, des petites structures qui commencent à se dessiner. Là pareil, voilà, donc entre payer une licence SharpCap ou payer un câble USB rallonge auto-alimenté de 10 mètres ou de 5 mètres pour pouvoir faire mes lives depuis mon salon tout en ayant la monture sur la terrasse, voilà, la priorité ce sera plutôt par là. Et dehors, oui, il caille. Alors, est-ce que SharpCap fonctionne avec une tablette Apple? Aucune idée. Mais j'ai quand même des gros doutes. Alors, il y a Nico qui va nous rejoindre. Dès qu'il aura résolu son problème d'oreillette. Et moi je suis connecté, donc normalement ça devrait bien se passer. Bon, et donc en attendant le temps que ça empile quelques images, donc déjà au passage vous avez vu que il y a quand même, alors tous les lives sont pas en ligne, voilà ce live là, la retransmission ce sera plus tard. Et ceux d'hier et d'avant-hier aussi. Donc le différé, c'est pas pour tout de suite, mais bon, il y a quand même eu tout un tas de lives sympas. Donc Vénus, Mercure et puis 6 galaxies. Donc là, on mélange à la fois du planétaire et du ciel profond. Live Vénus depuis Vénissieux. Vénissieux, donc là, c'est où j'habite. Donc c'est la troisième ville de la métropole lyonnaise. Là, on avait du Mercure et du ciel profond. Puis la lune et du ciel profond. Et donc là en description, bah, vous avez ce qui, voilà, donc on voit que j'avais fait du live stacking, enfin de l'empilement en direct avec Registax, AutoStacker pour sortir cette photo-là. Et après, il y avait toute une liste d'objets que j'avais fait en ciel profond. Donc pareil, dans la description de certaines vidéos, je commence à mettre des time codes, ce qui permet d'aller directement à l'endroit qui vous intéresse. Alors là, faudrait que je me revisionne tous les lives qu'il y a eu pour mettre les différents time codes des différentes observations qu'il y a eu au cours du live. Un de ces quatre, je le ferai, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Et donc, pour moi, l'un des meilleurs lives, c'était celui-là. La 80ED à 1200 mm de focale. On a quand même eu trois superbes images,
vu la taille de l'instrument, une petite 80 ED, et pourtant donc il y avait quand même une Mars, une Jupiter qui était vraiment sympa, et une Saturne qui était bon, qui était correcte. Là pareil, donc c'était le premier live dans la nature. Donc pas un live qui n'était pas fait chez moi, mais à 35 km de Lyon, pour justement voir la comète Neowise. Et donc avant de voir, enfin avant ou après, j'avais fait aussi le système solaire. Donc c'était voilà un live au C8. Ouais. Alors voilà, tous les premiers lives, donc de celui-là jusqu'au celui-là, c'était fait au C8. Et donc là, c'était le dernier live avec le C8 et le réducteur. Donc tous ces lives-là, c'était au C8 avec un réducteur de focale. Là, c'était le seul live au C8 au foyer, donc à 2 mètres de focale. Et ça, c'était donc le tout dernier live au C8, à cette fois-ci bah, que du planétaire à 4 mètres de focale. Puis bah, des lives à la 80 ED, il y en aura. Donc là, comme il y avait quand même pas mal de planètes, bah, je m'étais amusé à montrer que bah, quel que soit son instrument, on peut faire du planétaire, même avec une 80 ED qui n'est absolument pas fait pour. Et donc ces deux lives-là, voilà, on voit quand même des planètes. Enfin voilà, il y a certains youtubeurs qui montrent Mars gros comme un confetti au foyer d'un C8. Là, voilà, ce que j'ai réussi à sortir d'une 80 ED, c'est beaucoup plus qu'un confetti. Alors bien sûr, des photosites de 2,4 micromètres. Par rapport à des photosites d'un ACTS de 9 micromètres, forcément, il n'y a pas photo. On sort des images, malgré la petite ouverture et la courte focale, voilà. C'est quand même pas compliqué de sortir des images plus, bah, nettement meilleures. Mais voilà. Et donc là, il y a toute une série de lives au Samyang 135, parce que même si c'est pas un vrai instrument photo, enfin, astronomique, puisque c'est juste un objectif d'appareil photo, et ben, ça montre que ben, on peut faire de belles choses voilà, avec juste un objectif. Et donc pour ceux qui ont une Star Adventurer, ben voilà, on prend un APN, un objectif. On fait une mise en station correcte de la Star Adventurer et on peut arriver exactement au même résultat que j'ai ici, voire 10 fois mieux puisque voilà. Moi ici j'ai quand même la pollution lumineuse de la ville de Lyon. Bon, donc on va regarder si on peut commencer à sortir des choses. Voilà, donc là on voit qu'il y a déjà une première structure qui se manifeste, il y en a une autre là. Donc là on voit les régions les plus brillantes, et donc évidemment avec le vignettage, bah, on perd la moitié de la nébuleuse. Donc là, il y a une bonne partie de la nébuleuse qui est en plein dans le vignettage et du coup, bah, on la voit pas trop. Mais donc soit à la fin de l'année, soit en début d'année prochaine, il y aura mon petit diaporama de mes astrophotos. Donc là, avec les confinements, toutes les bonnes nuits pour faire de l'astrophoto, je les ai perdues parce que faire de l'astrophoto en ville, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, donc je laisserai tourner les acquisitions sur cette nébuleuse. Et donc du coup, on pourra comparer bah, la version couleur avec la version monochrome. Voir, je pourrais empiler
la couche H-alpha avec la nébuleuse que j'avais faite au Samyang l'année dernière, mais cette fois-ci en lumière visible. C'était d'ailleurs même, je sais pas si c'était l'année dernière ou cette année. Si, c'était fin décembre. Donc, soit avec les acquisitions ici, je pourrais améliorer l'autre photo. Soit bah, garder, voilà, montrer les deux photos pour montrer bah, voilà, ce que ça fait. Bah, en couleur normale, en H-alpha. Donc là, c'est noyé dans le vignettage, mais ici, dans cette zone-là, on commence à, voilà, à avoir de plus en plus de détails. Alors, ouais, l'azière, c'est. Après l'azière, ce qui sera plus ou moins chaud, c'est de. Enfin voilà, donc je serai donc évidemment au chaud dans mon canapé avec la tablette. L'azière sur au niveau de la monture. Donc effectivement, sans fil, ça doit marcher. Après, ce qu'il faut, c'est voir comment je pourrais récupérer le flux de l'azière sur la tablette. Pour le balancer en live depuis mon PC. Mais oui, vu comme il caille, tôt ou tard, faut, ouais. Faudrait que je trouve des solutions pour être au chaud. Parce que forcément, c'est pas. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'avais acheté l'azière pour pouvoir à la fois dormir et faire de l'astrophoto. Puisque donc sur l'azière, on programme sa séance. Donc on lui dit, bah voilà, je veux tant de pauses de telle durée avec tel gain sur telle cible. Puis bah, une deuxième séquence bah, sur une autre cible avec bah, d'autres paramètres et ainsi de suite. Et comme ça, elle va faire toutes les acquisitions tranquillement pendant la nuit. Et il reste plus qu'à récupérer les infos le matin et puis bah, traiter les images le soir. Ouais, donc j'en ai entendu parler du projet de couper l'éclairage sur Lyon et ce serait pas mal. Parce que pour l'instant, la pollution lumineuse, elle est monstrueuse. Et le plus triste dans l'histoire, c'est que voilà, l'année dernière, j'avais encore un ciel avec une cinquantaine d'étoiles. Alors déjà, c'est ridicule, mais bon, au moins j'en avais une cinquantaine. Et donc là, dans ma rue, ils ont remplacé les lampadaires au sodium par des lampadaires LED. Et donc là, j'ai perdu une dizaine d'étoiles. Et donc ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, ils ont construit une nouvelle résidence toute blanche avec plein d'éclairages LED. Enfin voilà, c'est plein jour au milieu de cette résidence. Et donc là, le nombre d'étoiles, ben, les mauvaises nuits, ça tombe à 10 et les bonnes nuits, ça monte au mieux à 30 étoiles. Donc grosso modo, le nombre d'étoiles a été divisé par 2. Et donc j'ai vraiment un ciel de très mauvaise qualité. Alors je pense que j'ai un ciel un poil meilleur que Christophe de la Chapelle à Lille. Mais enfin voilà, le ciel que j'ai et le ciel qu'il a, ça se vaut. On n'a pas la chance d'avoir le même ciel que Nico. Alors, le poisson. Donc le poisson, je l'avais imagé l'autre jour. Donc aujourd'hui, on va pas le refaire.
Petite question, donc là je vois 20 mètres avec câble auto-alimenté ou pas? Normalement, pour bien faire, on n'est pas censé dépasser les 5 mètres sans répétiteur. Et au-delà de 5 mètres, faudrait voilà, des répétiteurs pour récupérer l'image. Par contre, ce qui serait possible de faire. Voilà, donc le Samyang, c'est à la base un objectif d'appareil photo. Donc je pourrais, voilà, à la place des caméras Astro, mettre justement l'appareil photo, mon Canon 200D, et en Wi-Fi récupérer les images sur le PC. Et après les empiler avec DSS. Donc voilà le DeepSci Stacker, il existe en deux versions. Et donc il y a la version le DSS Live qui permet de faire du live stacking à partir d'images dans un répertoire. Et donc peu importe qu'il vienne d'une caméra ou d'un appareil photo. Et c'est ce que d'avait fait voilà, Christophe, une fois il avait fait un live comme ça. Petit bruit. Ah, ça y est, ça Ah, Nico. marche. Salut Nico. Salut, ça Oui, va? on t'entend. Hop là, les gens, comment vont? Je pense que les gens vont m'entendre aussi. Donc Ouais, non, n'hésitez pas j'avais à un pétard. mettre dans le commentaire si vous entendez bien Nico ou si c'est trop fort. J'avais un souci de câble. Je sais pas ce qu'ils me foutaient là, le bordel là, Zenap, enfin bref. Ah ouais, c'est bon, on m'entend, je vois Laurent qui dit hop là, donc c'est que c'est bon, on m'entend. Voilà, bon bah cool. Effectivement. Alors, ça shoot? Ouais. Donc là, on est sur la nébuleuse Californie. Mais avec le vignettage, elle a du mal à sortir. Mais ici, à la zone D'accord, entre le vignettage et puis voilà, là, on voit quand même pas mal de choses qui commencent à se dessiner. T'es Voilà. toujours au 135 là, ok, ouais. Ouais. Ah bah là, il est monté sur la monture, sur la terrasse, donc il va y rester encore. Ils annoncent encore 2 journées, pas trop mal. Alors que Ouais. normalement, en novembre, il y a jamais de créneau. Donc là, tant qu'il y en a, j'en profite. Oh bah ça, moi normalement c'est mardi qui fait beau, donc mardi et mercredi, donc on verra bien s'il fait beau ou s'il fait pas beau, Si ça voilà, se maintient. c'est un peu la surprise ça, hein, le problème ici, hein. C'est un coup sûr, si c'est, il devait faire beau aujourd'hui et puis c'était très brumeux. Bah moi c'était donc hier après le live, voilà, j'avais laissé tourner les choses et donc je me suis dit bon allez hop, je vais faire aller piquer un petit somme. Et quand je me suis réveillé, eh bah, j'ai vu du givre sur la petite boîte qui protège l'ordinateur. Et il y avait du brouillard, mais tu voyais rien du tout. Tout Ah le bah ciel était tout blanc. Donc du coup, bah, j'ai tout plié, je suis allé me coucher pour de bon. Nico est dans la place. Ouais. Non, je n'étais pas chez Ali. J'étais dans le tiroir de la cuisine. C'est le câble de madame. Elle va me tuer, mais c'est pas grave, on s'en fout en fait. salut Cédric, salut Archibald. Hop, t'as le... Hop là, le petit compteur lit. Ouais, j'ai vu la vidéo. Par contre, sur ma page, j'ai dû supprimer la possibilité de partager des liens. Il faudra me dire si vous mettez des liens parce que je me suis fait spam une vidéo qu'avec des vidéos un peu glauques. C'est un peu le problème quand tu commences à avoir 2000 abonnés, c'est que tu fais gaffe, tu vas te faire spam à fond avec des liens internet en tout genre, pas terrible, terrible.
Donc, du coup, j'ai dû supprimer la possibilité de mettre des liens. En Bretagne, c'est le 29 février que le ciel est dégagé. En pur... Ouais, bah ouais. Dommage. C'est dommage. Une année sur quatre, quoi. Bon. Alors, attends, je regarde ce que Mais je vais bon, rater si tu un peu regardes, dans le. même en Angleterre, il y a plein d'astronomes. Donc, Ouais. au quand en soit, voilà, il y a quand même moyen de faire de l'astronomie et de l'astrophoto. D'ailleurs, en Ah ouais, bah Angleterre, il oui. y a quand même pas mal de youtubeurs aussi. Donc, voilà, même quand ils ont 3 nuits claires par an, ils arrivent à sortir des choses. Et bon, 3 nuits claires par an, c'est une légende urbaine. Au final, Ah, purée, ouais. ils arrivent quand même à avoir, voilà, moi sur Lyon, j'en ai une cinquantaine statistiquement. Donc eux en Angleterre, ils doivent en avoir au moins une quarantaine par an. Parce que si avec 10 nuits par an de ciel dégagé, personne ne ferait d'astronomie en Angleterre. C'est Alors ça. que des astronomes, il y en a tout plein. C'est ça. Mais Qu'est-ce c'est qui sûr s'est que dit voilà, avant à que chaque j'arrive? fois qu'il y a un créneau, bah, faut en profiter. Parce que si on laisse passer les créneaux. Donc il y a un pote astronome qui m'a dit, voilà, si on se fie à la météo, on reste au bistrot. Donc une fois, le ciel était couvert, j'étais pas motivé pour sortir. Et finalement, il m'a convaincu. Alors évidemment, on a eu la moitié du ciel couvert toute la nuit. Mais voilà, j'avais quand même réussi à ramener 3 photos. Et hier, t'as fait un direct aussi, j'ai vu. Ouais, bah, tant que le ciel va bien et tant que la monture est en station dehors, du coup, il y a juste à poser le matériel dessus, à tout brancher, et puis voilà, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est fait. Et des créneaux de 3-4 heures, c'est toujours appréciable. Ouais, bah moi j'ai pas suivi ton live hier, j'étais sur le live justement Twitch là que j'ai partagé un peu en grande pompe là sur justement le salon du geek qui a été annulé à Ouais, il y a Vesoul. Vesoul. Ouais, et du coup donc j'ai pas pu venir. Et... Non, mais c'était sympa, c'était sympa. Bon, et puis la rediff, je la balancerai quand je serai à court de vidéos. Alors, Voilà, voilà. c'est Et pour ça. l'instant, j'ai des vidéos d'avance. Donc, voilà, celle sur les caméras astro, ça sortira fin décembre. Et si vous voulez les voir avant, bah, faites comme Pascal. Rejoignez-moi. Ah, ça y est, toi aussi, t'as mis le... Ouais, bah oui, tant qu'à faire. Mais alors, attends, tu l'as mis, mais... Mais Ah, du coup, t'as fait... Ah, ok, non. Non, t'as fait... Ah, mais Pascal, il m'a rejoint aussi, en fait. Il m'a rejoint aussi, j'ai vu ça cette nuit. Après mon live, j'avais la tête dans le popotin. Et du coup, voilà, quoi. J'ai remarqué qu'il voilà, s'était donc ajouté. Donc, merci de t'être ajouté, hein, de m'avoir rejoint, Pascal. Hein. Tu as voilà. rejoint donc la communauté avec Aurélien. Il y a Laurent bah, aussi qui t'a rejoint apparemment. Donc voilà, pour les autres, il y a le petit bouton rejoindre et donc du coup bah, ça vous permettrait de voir bah, des vidéos en avance. Donc là, il y a quelques mois, j'avais sorti le premier épisode sur les caméras astro. Et aujourd'hui, donc bah, voilà, il y en a 3 autres de programmés. Donc les deux qui sont là, c'est programmé pour la fin de l'année. Et le petit ici, ce sera en début d'année prochaine. Ouais, c'est tout nouveau ce truc, rejoindre, c'est bien, je trouve le concept sympa parce que du coup, ça donne une petite, voilà quoi, une petite possibilité d'avoir des petits cadeaux pour les gens qui rejoignent. Donc, il ne C'est faut ça, pas hésiter à exactement. rejoindre, hein, c'est les gens si ça vous intéresse. Je crois. Les abonnements comme ça, ce n'est pas excessif. En plus, je crois que c'est 1,99 € il me C'est semble, un truc ça. comme ça. Donc, ce n'est pas énorme. Donc, voilà. Donc pour ceux qui nous rejoignent, donc ici, donc on avait commencé sur cette image de la galaxie d'Andromède,
en H-alpha. Alors au début du live, on la voyait beaucoup mieux, puisque donc voilà, je pouvais tirer beaucoup plus sur les niveaux. Mais quoi qu'il en soit, vous la verrez en fin d'année dans la playlist Diaporama. Donc il y aura un diaporama où toutes les acquisitions que je fais en ce moment vont apparaître. Et on avait aussi fait un petit bout de lune au Samyang 135. Alors ça c'est donc le... Hop. Voilà, c'est plutôt celle-là. Il y a Pascal qui dit, ouais, on est des VIP. VIP. Des VIP. Ah, t'as pas encore fait les logos, toi. Non. Ah, je peux pas faire des lives et des logos, hein. Ah, ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Mais bon, et donc demain, voilà. Ce sera mon Allez, premier bah, jour salut. d'école. Donc là, je Ah, pars. tu fais une formation là. C'est ça, une formation d'un an. Donc ça commence demain matin. Cédric, ce soir à Cavaillon, nuage. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Darius et Dico. Salut Cartivore. Fabien Delvecchio qui dit, ok, donc tu es sur Lyon, passe un coup dans les monts du Lyonnais. Je crois que c'est qui nous dit. Donc voilà, là, à cette heure-là, le ciel devrait commencer déjà à se couvrir d'après la météo. Ah, tu peux faire des logos comme Et Fred. je vois quelques étoiles. Par contre, j'ai la chaufferie de la ville de Vénissieux qui. Alors, Titanic, il y avait juste quatre cheminées. Elle en a cinq. Et là, les cinq crachent de la fumée plein. Voilà. Hier, j'avais un tiers du ciel de griller à cause de la condensation de la vapeur d'eau sortant de ces cheminées. C'est pour ça qu'aujourd'hui je shoote de l'autre côté. Mais c'est incroyable ce que ça balance. Il y a Cédric qui dit sur Toulouse, c'est nickel, là il est sur Mars. Je croyais que tu étais sur Toulouse. Il ne faut pas être sur Mars. Et Ok, d'ailleurs, je donc, sors, ok, je sors. au niveau des tempêtes martiennes, ça donne quoi? Ça se calme ou ça va de plus belle? Est-ce que Cédric Apparemment, peut nous donner ça. quelques infos sur le Mars? Parce que je sais que depuis une semaine, il y a une tempête qui est apparue. Et en général, quand il y a des tempêtes sur Mars, on voit pas grand-chose. Ouais, donc là, effectivement, la California. Ça me manque un peu de signal. En fait, voilà, si on rajoute le flat, on verra un peu plus de choses, mais. Sur la côte d'Azur, proche hier, nuage. Ah. C'est quoi l'adresse du groupe sur Facebook? Lequel, celui de Darius? T'en as un groupe Ouais, Facebook? décastronomie, hein. Oh bah attends, c'est quoi, je vais y aller. Comme la chaîne. Il y a aussi donc un autre groupe. Donc vu que j'ai une 80 ED, donc je suis dans le groupe 80 ED pour astrophoto ou fort astrophoto. Et de mon côté, j'ai prévu de créer deux groupes Facebook pour un dédié au Samyang et un autre dédié au C8. Donc la page de base elle est faite, mais il manque les images et puis voilà, faut le mettre en ligne. Moi, je suis en train de préparer mon truc de demain. Avec toutes les jolies photos que vous m'avez envoyées, on va faire un truc bien sympathique, vous allez voir. Voilà, donc Fred, là Michel, voilà l'image Pierrot. elle est pas ouf, mais on voit bien donc le haut et le bas de la nébuleuse. Ouais, c'est vrai que t'as une espèce de vache, t'as un sacré rond.
un sacré rond, hein. Ah bah si il y a du vignettage, alors donc c'est normal. Sans flat, de base, on a ça. Donc ça, c'est le genre d'image que je reçois en ce moment. Ouais, bah. T'as fait tes flats déjà, dark flat offset? Oui. Mais vu que je suis sur la version gratuite de SharpCap, on peut pas les utiliser en live stacking. Donc c'est pour ça que je sortirai la photo a posteriori. Donc là, si on regarde dans les acquisitions d'aujourd'hui, voilà. J'ai fait ma bibliothèque de flat, de bias. J'ai fait aussi pour l'instant qu'un seul de dark. Et donc est-ce que je suis sur le bon gain? Ouais, bah voilà, je suis pas sur le bon gain. Mais, oh mais, là ça, va là me ser- là mais ça va me là là. servir pour ce que j'avais fait la nuit dernière. Et donc la nuit dernière. Alors j'ai bah du coup vu que j'avais pas de dark flat et offset, donc j'ai pas empilé. Mais j'avais fait des choses. J'ai mon padawan en astrophoto qui devrait t'appeler demain. Ah bah pas de souci. Voilà, tout à l'heure j'ai entendu, enfin voilà, on m'avait parlé du poisson. Donc le poisson, il est là. La tête du poisson, elle est là. Et là, on devine un petit peu le cœur. Et donc. Il y a Laurent Frisson qui dit je peux vous rejoindre un mois sur deux. Un Darius, un coup Nico. Oh bah si tu veux, hein. Ouais. Si tu veux, hein. Voilà, pas de soucis. Bonsoir, comment définis-tu ton gain? Alors, vas-y, je te laisse répondre. Bah, ce sera dans la vidéo de l'année prochaine. Voilà, donc t'as ta réponse. Ah mince, je Mais peux pas mettre de c'est une gain. histoire de compromis. C'est en fait, si on met un gain très fort, bah, du coup, on aura énormément de bruit et peu de dynamique. Et inversement, si on met un gain très bas, bah, du coup, on aura beaucoup de dynamique sur les images. Mais en contrepartie, il va falloir être patient pour voilà, voir les photons sur l'image. Donc il faudra tirer beaucoup plus sur les niveaux et ainsi de suite. Donc c'est toujours une histoire de compromis. Est-ce que tu peux me mettre en tant que en tant que modérateur? Comme ça, je vais mettre le lien de la rediff d'hier. Comme ça, vous irez la voir, vous sauvegardez le lien. Donc, bienvenue à Jean-Pierre. Ah ouais, tu as Jean-Pierre Boussard qui t'a Ouais. rejoint ce soir. Et donc, pour le top chat, gérer les modérateurs. Bon, je regarderai ça plus tard. On le fera ça pour le prochain. Ce sera plus. De quoi pour faire le modérateur? C'est facile. Tu Ou vas à dans moins le qu'on peut faire chat ici. en direct. Ouais, alors attends. Déjà, il faut que je Enfin, trouve un de tes tu t'ajustes. commentaires. Est-ce que tu as fait un. Ou tu peux faire un commentaire dans le chat à la fin? Un commentaire. Voilà, tu as un commentaire. Voilà, ok. Non, tu n'as Donc pas. là, deux points. Et ajouter en tant que modérateur. Hop là, voilà. Ça y est. Voilà. Comme ça, j'envoie le lien. Je vais vous envoyer le lien. Alors, il y a une petite Alors. question. Donc, côté logiciel, est-ce que Prism permet d'éviter d'utiliser PHD? Bah, tout à fait, oui, effectivement. Puisque Prism Oh, je suis gère curieux de tout. l'autoguidage. Et dans le dernier live de Nico, on voyait le faire. D'ailleurs, monture que j'ai reprise et qui, effectivement, a un petit souci. Ok, Donc donc voilà, là, pour le coup. là, donc hier, quand j'avais terminé mon live, on ne voyait pas du tout ça. C'était beaucoup moins bien que ça. Mais voilà, en empilant des prises, on finit par faire ressortir des choses. Et si on regarde bien cette image, donc là, elle est juste empilée, mais
On voit ici de l'onglo, ici, ici et un petit peu ici. Donc voilà, c'est une image. On voit aussi du vignettage. Donc voilà, c'est une image sans les images de calibration. Et donc quand on rajoute les images de calibration, et ben après, ça permet de sortir des images ben, un peu plus sympas. Donc là, si je vais. Nico, ça vous arrive d'avoir des instruments qui arrivent avec des protections explosées? Mon C8 en avait et les cartons ouverts du polystyrène explosé, un câble en moins. Bah ça, faut que tu gères ça avec ton vendeur, mais ça oui, ça arrive. Des fois, les transporteurs, ils sont pas spécialement tendres, hein. Bon, après, c'est quand même vachement bien protégé, donc c'est quand même assez rare. Ça arrive de temps en temps, faut être honnête, mais ça reste assez rare, hein. Alors pour moi, il y a une question sur le correcteur. Là, il n'y a aucun correcteur. Donc voilà, là, si on regarde l'image, bah, elle paye pas de mine. Mais une fois qu'on aura, enfin une fois que j'aurai fait les dark flat et offset, il y a quand même moyen de sortir une image pas trop moche. Donc on voit quand même voilà que ça a quand même une belle taille sur l'image. Ouais, ça fait une sacrée taille, effectivement. Sauf que bah, une bonne partie de la nébuleuse est voilà, noyée dans le vignettage. Mais comme je le montrais tout à l'heure, voilà, donc ça c'est une image qui était juste empilée. Donc là on voit voilà, qu'il y a du gradient. Mais par exemple, voilà, il n'y a plus d'onglo. Il n'y a plus de vignettage. Et puis après, bah, quand on les traite, voilà. Donc là, c'est voilà, une petite passe. Donc voilà. Donc ça, c'était en sortie de DSS. Ça, c'était une petite passe dans Lightroom. Et puis après, bah, j'ai poussé la saturation à fond. Et j'ai fait un peu de coloriage. Et je suis arrivé à cette image-là. Ah, c'est joli. Donc ça, c'est le live d'il y a 3 jours. Ah, c'est chouette. Hier, avant-hier. Ouais, c'est le live d'avant-hier. Donc avec les bruts du live d'avant-hier, j'ai sorti ça. Attends, Laurent, il dit, je les récupère en magasin pour ton... Alors là, pour le coup, il faut que tu te renseignes auprès de ton magasin. Hein. Si tu l'as reçu, elle était défoncée. Pas terrible, hein. Pas terrible du tout, hein. Donc là, Parce pareil, que encore une si le image cache... sortie de DSS, toute moche. Alors donc là, je n'avais pas utilisé des logiciels qui permettent d'enlever correctement le gradient. Donc là, dans Lightroom, j'ai juste fait voilà un petit effet pour virer le gradient. Et après, quand on récupère bah, juste la partie qui est intéressante, bah, voilà, on arrive quand même à sortir des images qui sont voilà pour Instagram et pour Facebook, ça suffit largement. Donc ça, c'est Ouais, bah au-dessus. après, tu as ce qu'on appelle les versions. Il hein. Faut faire une pétition en ligne pour la pollution lumineuse, nous Ouais. dit Astro-Bretagne. Je suis tout à fait d'accord. Ah, mais il y a Tof Astro aussi sur le Bah, chat moi, là ce pour les que je salutations. me dis, voilà, c'est que il y a de plus en plus de voitures électriques. Aujourd'hui, ils laissent l'éclairage urbain parce que, bah, voilà, il y a soi-disant, il y a plus de crimes et tout ça. Mais au final, voilà, avec les confinements qui se répètent, et puis il n'y a pas besoin d'autant de lumière la nuit. Donc en fait la vraie raison c'est que le ralentir et accélérer les centrales nucléaires, c'est pas aussi simple que ça. Ça se fait, voilà, c'est pas juste on plonge les barres de contrôle et puis la centrale ralentit et voilà. Et donc comme elle crache de l'électricité en permanence, bah, la nuit cette électricité, bah, faut la gaspiller. C'est ça la vraie raison pourquoi il y a autant de l'éclairage. Et donc le jour où il y aura suffisamment de voitures électriques qui vont charger la nuit, bah, progressivement ils vont se rendre compte que voilà la France n'a pas assez de centrales nucléaires pour alimenter tout ce petit monde. Et là ils vont commencer à faire des économies sur l'éclairage inutile. Et là on commencera à avoir un ciel un peu plus correct. Enfin j'habitais, voilà j'ai grandi en Bourgogne, dans un petit village, Fontenay-les-Bains.
Et là-bas, la galaxie d'Andromède, je la voyais tranquillement à l'œil nu, sans aucun souci. Là, il y a 2 ans de ça, j'étais à Saint-Véran. J'avais vu la galaxie d'Andromède comme je l'avais vue dans mon enfance. Donc voilà, en l'espace de 30 ans, la pollution lumineuse, elle est devenue monstrueuse. Aujourd'hui, pour voir la galaxie d'Andromède, il faudrait que je fasse au moins une cinquantaine de bornes en dehors de Lyon pour avoir un ciel suffisamment gris pour pouvoir l'entrevoir le noyau. Alors que, voilà, dans le village où j'ai grandi, on la voyait très bien. Et donc, si dans quelques années, on pouvait retrouver le ciel de notre enfance, là, ça vaudrait le coup. Il est quand même presque 10 h, donc à 10 h, on va arrêter le live. Puisque donc demain je me lève à 6 h et il faut que je plie encore le matos pour ne parce qu'en fait voilà normalement ils annoncent un ciel couvert et demain matin il y aura de la flotte sûrement donc on va laisser stacker encore un petit peu et puis Ouais, y a moyen. je vais arrêter le live à, voilà, à 22 h. Donc là on commence à avoir des petites extensions par là. Donc c'est pas la meilleure photo, mais au début du live, il y avait quand même une Andromède stackée qui était quand même jolie. Donc ceux qui vont regarder plus tard la rediff, vous verrez qu'on a quand même commencé sur une Andromède qui était plus que sympa. Parce que là, pour le coup, voilà, avec magnitude 3, on a tout de suite du signal. Là, on est sur un objet qui est énorme, voilà, qui est nettement moins lumineux. Alors, j'étais juste en train de bouffer un truc, j'évite de Alors, bouffer. pour la pollution lumineuse, il existe des trames noires dans les codes de l'urbanisme. Trames noires. Je Un ne suis petit pas sûr parfait ce que tu en dis comme sur dirait l'autre. l'éclairage. Pas sûr de ce que des centrales si charge d'ailleurs. J'ai pas trop compris non plus moi. Je sais que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas, voilà, c'est pour ça qu'ils incitent les gens à consommer la nuit en mettant les machines à laver, les lave-vaisselle, à les faire tourner plutôt la nuit que le jour. Parce que le jour, tout le monde consomme beaucoup trop. Et la nuit, il n'y a pas assez de consommation. Ah, il y a Pascal 1050 qui nous quitte. Allez, bonne nuit à vous. Ça fait de beaux rêves. Alors, comme c'est des algos, c'est mieux de faire addition empilement 5% puis 20% de chaque série ou empilement médian et garder 50% directement? Alors là, je n'ai pas trop compris ta question. Je te laisse répondre pour le coup, parce que là, si tu as la réponse. Je ne sais pas, mais en général, je garde quand même 80% de mes photos. Enfin, quand j'empile, c'est rare que je descende à 50%. Si tu as 50% de déchets, faut revoir l'autoguidage ou voilà. Faut pas rêver, bien que chez moi la lumière soit coupée entre 1 h et 5 h sur la voie publique, comme la rocade qui fait le tour de la métropole bordelaise, qui n'a plus d'éclairage depuis quelques années. Mais c'est partout, sur quasiment toutes les autoroutes, il n'y a plus d'éclairage. Disons que c'est un gros plus. Ah, donc ok. C'est quand même bien de ne plus avoir d'éclairage sur les autoroutes, les grandes rocades, des trucs comme ça. Enfin, je crois qu'à Paris, c'est différent, mais je sais que toutes les autoroutes, il y en a même, elles sont équipées de lampadaires, mais les lampadaires, ils sont tout le temps éteints, en fait. Donc, voilà.
Je ne sais pas, mais voilà, donc les fameux trous noirs, enfin les zones noires, il n'y en a pas assez. Alors par chance, donc à côté de chez moi, j'ai le parc naturel du Pilat. Ah bah Laurent, merci pour avoir rejoint le Déc Astronomie. Et donc je disais, voilà, donc on a beau avoir tout le parc naturel du Pilat qui est une zone protégée et où il coupe la lumière. J'étais là-bas, voilà, à 50 km de Lyon, donc je suis allé pratiquement à voilà, à l'autre bout du Pilat, et là je voyais deux grosses boules de pollution lumineuse qui étaient bah, Saint-Étienne et Lyon, même à 50 km dans un parc naturel protégé. La pollution lumineuse, elle est très très présente, donc. Quand je vois moi le bol que À j'ai là Saint-Véran, dans par 20 exemple, tours. plein est, le ciel est pollué à cause de la ville de Turin, en Italie. Et pourtant, il y a les montagnes qui séparent, ben voilà, c'est une barrière, une frontière naturelle entre la France et l'Italie. Et Saint-Véran, c'est le meilleur ciel d'Europe. C'est du moins ce qu'on dit. Et même là-bas, plein est, ben, le ciel est pollué. Par contre, il y a quand même donc le plein sud qui est quand même bien bien propre. Et donc ça permet de shooter la Voie lactée, le Sagittaire et l'Aigle l'été dans d'excellentes conditions. Bon, donc là, la California s'est fait un peu désirer. Mais Un peu beaucoup, ouais. voilà, en traitant l'image, il y aura quand même moyen de sortir quelque chose. T'en as combien là de poses en tout? Bah, pas tant que ça, j'en ai 53. C'est des poses de combien là? D'une 30 minute? secondes? Non, d'une Une minute. minute? Désolé, je m'enrhume. Et Les voilà, soirées d'enfants. pour sortir une vraie astrophoto. Il faudrait au moins d'être sur des poses bah, au minimum 2 minutes. Et pour bien faire, il faudrait faire des poses de 5 minutes. Et là, on aurait un excellent rapport signal-bruit. Et puis pareil, pour pouvoir poser 5 minutes, ici à Lyon, on ne peut pas. Ouais, Puisqu'on bah a ouais. le fond du ciel qui monte immédiatement. Bah après, si tu es en filtrage alpha, tu t'en fous. Si tu es Bah, pas tant que en ça, H hein. alpha, ah, ça, bah après, tu fais un retrait de gradient. Hein, avec un H alpha, c'est tellement restrictif que finalement, ton gradient de pollution lumineuse, tu le verras pas autant que ça. Hein, tu peux y aller. Hein. Donc regarde, Ah, franchement. là je réinitialise le truc. Voilà, sur une pause d'une minute, tu vois, je remplis déjà pas mal l'histogramme. Ouais. Donc sur Mais deux c'est quoi minutes, comme filtre? le pic qui est là, il serait plutôt par là. Donc C'est là quoi le déjà, je filtre que commencerai t'as à là? perdre énormément d'informations dans cette zone-là. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est effectivement donc monter la durée, diminuer le gain. Et là, effectivement, je pourrais faire des pauses un peu plus longues. Laurent a dit, je vais réfléchir un peu pour rejoindre Nico, il a l'air un peu louche. Ouais, je suis un peu louche, mais bon, c'est pas grave, c'est ce qui fait mon charme. Ouais, mais effectivement, c'est vrai que t'as un sacré. Ah bah, mon Mais c'est ciel, quoi le. ça n'a rien à voir avec C'est toi. quoi le. Ah ouais, non, mais ça c'est. Oui, en même temps, t'es en plein centre-ville de Lyon, ça c'est sûr. Mais je veux dire par là, c'est quoi le filtre que tu utilises, toi? Bon, là, c'est en plus un H-alpha 35 nanomètres. Ah, bah voilà, bah, Ouais, 35, il n'est pas voilà. aussi restrictif que ça. Voilà, Voilà, il bah. faudrait mettre au moins le 7 nanomètres Ah, ouais, tu prends un pour. 7 nano. Là, Voilà. t'es tranquille avec un 7 nano, c'est ça passe crème, hein. Ouais, on est bien d'accord, mais pas à 35. Donc le 7 Non. nano, il est dans la roue à filtre. Donc voilà. Non, 35, ça fait c'est vrai que ça fait quand même pas mal, effectivement. Bah, ça te laisse quand même passer pas mal de lumière indésirable. D'accord. Je suis sûr que même le L Pro ferait pas de miracle.
Non, par contre, l'UHC peut t'aider un peu, mais c'est vrai que si toi, là, pour le coup, toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de la palette HOO. Ouais. Comme ça, t'es moins embêté avec la palette HOO que Ouais, la donc couleur. c'est pour ça que là pour l'instant, bah voilà, tous les lives sont H-alpha. Et une fois que j'aurai suffisamment de cibles, bah, je passerai à l'O3. Et effectivement, derrière, je pourrais faire bah, du HO. Et tu pars sur des films en 7, hein, Hier avec ou des films en 7. avant-hier, je l'avais fait les dentelles du cygne. Donc là, voilà, avec le H-alpha, t'as que du rouge. Avec l'oxygène, voilà, tu peux déjà avoir de belles photos. Et après, pour faire de la vraie astrophoto, ce qu'il faut, c'est, enfin, même en SHO, il faut quand même prendre un peu de distance par rapport à Lyon. À 30 km, voilà, voilà, on multiplie par 10 le nombre d'étoiles visibles dans le ciel. C'est vrai que ça sera un gros plus, ouais. Mais tu vois, donc là par exemple, il y a un très grand club d'astronomie sur Lyon. Ils avaient construit un observatoire il y a une cinquantaine d'années, enfin il y a plusieurs dizaines d'années de ça. Voilà, il a 20 ans, je crois. Et à 50 km de Lyon. Et donc à l'époque, bah, il y a 20 ans de ça, bah, le ciel là-bas était pas trop mal. Et aujourd'hui, bah, le ciel, il est pas si terrible que ça. Et puis bah faut quand même se taper, voilà. De Lyon, ça fait quand même un aller-retour qui est pas négligeable. Pour un ciel qui est pas si exceptionnel que ça. Avec ce filtre sur un APN, ça donnerait quoi? 35 nanos, c'est pas trop restrictif, donc ça va pas être aussi gênant que ça. Après, attention, c'est toujours pareil. À l'APN, faire de l'imagerie H-alpha, c'est showtime. Je ne dis pas impossible, mais c'est chaud. Pour la simple et bonne raison que sur le capteur, la matrice de Bayer, elle est quand même divisée en 4. Et là, il y a juste le photosite rouge qui va être pris en charge par le filtre 3. C'est ça. Filtre H-alpha, pardon. Et du coup, c'est 4 fois plus, 4 fois moins de lumière que la normale, quoi. Voilà. Donc, Le O3, attention, il hein. va exciter un peu le vert, un peu le rouge. Donc là, il y aura 3 pixels qui seront illuminés. Mais dans le rouge, en H-alpha ou en soufre, S2, t'as que le rouge et donc c'est un pixel sur 4. Donc du coup, tu as un rendement qui est tout pourri. Donc c'est pour ça qu'en SHO, il vaut mieux utiliser bah, les caméras monochromes. Parce que là, Non, du c'est coup, sûr, tous les c'est pixels sûr. sont éliminés, pareil. C'est tout à fait sûr. Et puis, voilà, donc une caméra monochrome et un filtre H-alpha ou S2, voilà, il n'y a qu'un seul filtre en entrée. Alors que sur un APN qui n'est pas défiltré, et bah, on a donc le filtre bah, soit H-alpha, soit S2, plus le filtre rouge de la matrice de Bayer, qui fait aussi perdre quand même un tout petit peu de rouge. Et Donc attention, hein, comme dit Top Astro, c'est juste ce qu'il dit. L'O3, c'est plus le vert et le bleu. C'est ouais, c'est pas ça. le rouge. Ouais, t'as dit rouge. Donc Non, t'as non, donc fait. le H alpha et le S2, c'est du rouge. Et effectivement, donc l'O3, c'est un espèce de bleu vert. Ouais, donc du coup, ouais, Ouais. ta Donc fourche oui, on est bien calandée, d'accord. j'ai même pas relevé, moi. Et c'est le H-bêta qui est tout bleu. Enfin, qui est plus loin que le O3. Ça y est, je t'ai rejoint, t'en veux, Nico, mais n'en abuse pas. Ah, bah merci, Laurent, c'est cool. Welcome. Welcome. Donc voilà, il est 22 h. Bon, donc la nébuleuse California, bon, elle est pas splendide, splendide. Après, c'est pas mal quand même, hein. Voilà, donc là, on voit quand même que voilà, donc là, il y a quand même le haut de la nébuleuse, le bas de la nébuleuse. On voit quand même un petit quelque chose. Et donc, bah, du coup, on va se quitter plutôt sur une image un peu plus jolie.
Voilà, sur le cœur. Donc le Là, tu cœur vas qui a toucher été jusqu'au imagé cœur. hier. Et donc là, pareil, la photo, si on regarde, on a encore du vignettage. Mais voilà, et donc hier, pendant le live stacking, voilà, on ne voyait pas aussi bien la tête du poisson ni le cœur. Et là, le cœur est bien dessiné. Et puis bah, vous verrez à la fin de l'année la photo traitée correctement. Vous verrez ce que ça donne. Donc du coup, on va. Puis, alors, donc du coup, je vais sortir un peu plus le. Donc ça, c'est la première prise de la soirée. Alors, si je. Toc toc toc. Et demain, tu es live ou pas, toi? Peut-être une petite heure le soir quand je rentrerai. Ouais, parce que moi, pour les coups de 9 h, je ferai le truc là que j'ai dit pour montrer, pour faire un point sur tous les objets qu'on a fait là les 2 soirs à la FSQ 85. Parce que le résultat purée, il arrache. Hein. Il arrache. Ok, Le bon bah à ce pays quoi? compte-là, je le ferai une autre fois. Bon, après, si tu le fais, toi, comme tu le fais tôt, moi, de toute façon, ça commence jamais avant 9 h. Toi, tu le fais et puis tu Ouais, en joues mais non, après. demain, je pars à l'école à 7 h et je vais rentrer à la maison à 21 h. Ah ouais, c'est clair, là, c'est C'est showtime. pas une école de fonctionnaires ou pas. Enfin, voilà, c'est une école qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on passe le temps qu'on veut. Et voilà, donc le but du jeu, c'est d'apprendre un maximum de choses en un minimum de temps. Donc du coup, je ferai des grosses journées. Donc voilà, voilà à peu près ce qu'on avait à l'écran quand le live a commencé. Bon, avec le cœur un peu moins cramé. Et donc, bah, du coup, on a commencé le live sur ça. Donc, on va terminer le live sur ça. Donc, vu l'heure, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bah, on verra si donc demain, bah, ce sera probablement sur la chaîne de Nico. Donc, demain ou après-demain, on verra si j'ai de la météo, si je fais encore un petit truc ou pas. Mais quoi qu'il en Ah soit, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à ceux qui ont rejoint la chaîne. Et puis bah merci voilà, de votre présence, des pouces bleus. Donc avant de partir, si vous n'avez pas mis votre petit pouce bleu, bah, pensez à le mettre. Ça ben. Et vous permet à avez la plutôt chaîne d'être. intérêt, hein, sinon on va pas le faire, hein, Ça franchement. permet à la chaîne d'être un Hein. peu mieux référencée. Et bah, du coup, d'autres personnes pourront découvrir bah, ces lives et cette chaîne. Donc je vous dis un grand merci à tous et bonne soirée. Allez, salut les gens, ciao. Salut Nico, ciao. Merci d'être Allez, venu. salut, salut. Et donc.